Chez elle, après dîner dimanche, ma vieille tante Marie-Blanche me dit, prends ton tilleul après, si tu veux, je te montrerai un gros album de vieux portraits. C'est celui qui vient de ta grand-mère. Voilà maintenant, si tu préfères, que je te chante quelque chose au piano. Mon choix fut fixé aussitôt. Les photos plutôt, les photos. Tante alors m'apporte le livre, dont j'ouvre le fermoir en cuivre, et je me plais à regarder ces portraits au châle brodé, au lourd bandeau noir démodé. Quel est ce bébé sur son derrière? Tante m'explique que ça c'est Pierre, il est mort. Oh le pauvre petit enfant, pauvre mignon, il est mort comment? Il est mort à 75 ans. Qui voulez-vous qu'on reconnaisse sur tous ces portraits de jeunesse? Quelle est cette belle fille, quels beaux yeux? C'est tante Mathieu, la tante Mathieu qui a de la moustache. Oh bon Dieu! Ton oncle en 1860, tu lui ressembles, me dit ma tante. Oh, mon plaisir et mes gros laits. Car justement, je me disais que je le trouvais bougrement laid. Tante me dit, ça c'est Niquet, qui épousa en 76 une demoiselle Sarrazin, dont le grand-père était cousin du gendre de tante Balazin. Puis suivent des photos passées, jaunies, mon attention lassée, cherche encore à dire quelques mots. Oh le beau cuirassier, bête de saut, c'est moi, avec mes cheveux dans le dos. Moi, me voici, à 6 semaines, je n'ai qu'une brassière en laine. Elle est relevée de façon à montrer mon petit soupçon de départ pour être un garçon. C'est gênant ces photos qu'on garde quand une dame les regarde. C'est même assez vexant songer si la dame dit au jugé, vous n'avez pas beaucoup changé. Et voici la dernière page, je comprends les vieux davantage. On oublie trop qu'ils ont été bien avant nous, fraîcheur, santé, élégance, amour, volupté. Plus tard, mes portraits de jeunesse pourront dire, et celui-là qui est? Mais c'est l'oncle, il avait des cheveux. Quel oncle, ce petit gommeux, l'ancien chansonnier, le gâteux. Portrait d'homme et portrait de femme, un album, c'est tout un programme, donnant la photo des acteurs qui ont joué ou joueront par cœur cette comédie sans auteur. La comédie de la famille, comédie gaie, triste ou gentille, c'est le programme du mélo, réglé, commandé de là-haut par le destin, l'impresario.